C'est en direct du campus de la Cité collégiale qu'a été diffusé ce soir le bulletin de nouvelles régionales d'Ottawa-Gatineau. Ce bulletin de TVA CHOT a été monté de toutes pièces par les étudiants en deuxième année inscrits au programme de production télévisuelle ici à la Cité collégiale. Moi, j'étais régisseur de plateau. J'étais vraiment contente parce que devenir régisseur, c'est mon rêve. C'est vraiment mon but en venant ici à la Cité. J'entendais à peu près 4 intercoms en même temps dans mes oreilles. Là, c'était vraiment trippant, une super belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, vraiment. Moi, j'étais assistante réalisatrice. Donc, c'est moi qui assistais le réalisateur dans toute la production du bulletin. Le plus gros travail que j'ai eu à faire, ça a été de réécrire le line-up, donc toute la feuille de route avec tous les éléments qu'il y a dans le bulletin d'information, parce qu'on n'a pas le même système informatique que celui qui a à CHOT. Lentement, commence ton move, lentement. Cette production a été un véritable défi pour tout le monde, surtout en raison de l'installation de nouveaux équipements haute définition. Ça s'est bien passé pour cette production-là. Oui, je pense que tout le monde croisait leurs doigts. Les professeurs ont travaillé extrêmement fort, encore une fois. Il y a eu un buzz sonore en ondes, donc Gilles ne peut plus se fier à son Telex, donc il se fiait vraiment à MeQ. Mais pour ma part, il n'y a pas eu de problème technique. Tout a super bien été. Les 40 étudiants ont tous vécu une expérience inoubliable et profitable avant de pouvoir se diriger sur le marché du travail. Certains étudiants ont même eu la chance de participer à une journée de stage avec des caméramans de la station de RNC Média. Ben oui, je trouvais ça vraiment intéressant. T'sais, je trouvais que ça fait différent que nos productions en studio, t'sais, de partir avec un caméraman, une journaliste avec sa caméra. En résumé, cet exercice s'est avéré bénéfique pour tous, même pour un étudiant en journalisme électronique qui a eu la chance d'être diffusé en direct sur les ondes de TVA CHOT aux côtés de Gilles Mailloux. Michael Ouellette pour la Cité collégiale, Ottawa.